Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, ça va être incroyable parce que comme vous avez vu dans le titre, je vais gonfler un ballon avec du béton. J'avais déjà fait un épisode 1 où j'avais carrément créé un ballon en béton. Ça vous avait super plu, on avait fait un objectif de 12 000 pouces bleus que vous avez respecté. Donc j'étais obligé de me faire un épisode 2, mais cette fois-ci, je vais pas faire un ballon en béton entier. Je vais tout simplement remplacer l'air qu'il y a dans un ballon et le remplacer par du béton. Donc en tout cas, si ça vous hype, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. On va pouvoir commencer cette vidéo What the Fuck. Go. Du coup c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, on va commencer par créer le béton. Donc j'ai ici tout le matos qu'on va utiliser dans cette vidéo. Donc j'ai acheté du sable. Bon d'ailleurs, c'est le même matériel que l'année dernière. Donc ça tombe bien parce que normalement, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai ici du béton. Bon le béton, il me paraît bien dur là. Donc il est resté dehors toute l'année. J'espère qu'il est encore en forme pour pouvoir créer du béton. J'ai ensuite un seau et une petite pelle. J'ai mon ballon qu'on va venir faire un petit trou dedans et glisser le béton dedans. Comment faire du béton? Un volume de ciment plus 2 volumes de sable plus 3 volumes de gravier plus 0,5 volume d'eau. Hein? J'ai pas de gravier moi. Donc il faut un volume de ciment, deux volumes de sable, la moitié d'un volume d'eau. Et normalement, on aura un bon petit béton parfait. Du coup, on va commencer par un volume de ciment. On va dire que c'est 3 pelletés. Là, par contre, il m'a l'air dur le ciment. Hein. Allez, la première pelletée. La deuxième. On va mettre une quatrième au cas où. Ok, du coup, c'est bon, j'ai fait mon béton. Il va falloir maintenant mettre 6 pelletés de sable. Premier pelleté. 3, 4, 5. J'ai l'impression que les dosages sont un peu approximatifs là, tout est fait au hasard. Normalement ça va bien fonctionner. Allez, on remue bien pour ensuite pouvoir mettre l'eau. C'est mélangé, manque plus qu'à mettre de l'eau. Donc il faut que je mette la moitié d'un volume. Donc oh punaise, allez au hasard. Let's go, hop 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 hop, on en met un petit peu, on en met un petit peu, hop là. Ok je touille, waouh, c'est un peu le désert hein. Bon c'est trop sec, on rajoute de l'eau. Ouais, c'est qu'il y a un peu plus le truc. Moi je vais le goûter pour voir. Bon, moi j'aurais plus besoin d'aller au dentiste, j'aurais aller dans le béton. Mais en vrai, c'est pas si mal, hein. Regarde-moi ce bon béton. C'est les amis, j'ai fini de préparer mon petit béton. Franchement, je suis super content. La texture est vraiment parfaite. Je sais pas si c'est trop liquide. Donc maintenant que le béton est fait, je récupère mon petit ballon. Je vais venir faire une petite incision ici. Let's go pour faire une petite incision. Attention. J'ai peur qu'il explose. Ok, on a retiré l'air qu'il y avait à l'intérieur, c'est parfait. Hop là, j'ai la première incision juste ici, et je vais faire les deux autres pour faire une belle ouverture. Bon, je me rends compte qu'à l'intérieur du ballon, il y a une chambre à air. Donc, je vais tirer un bon petit coup. Non, il n'y aura pas de problème. Oui, j'ai retiré la chambre à air qui est à l'intérieur. Mais en fait, je suis bête parce qu'il y a la valve ici qui permet de gonfler le ballon. Du coup, il y a un trou. Voilà, maintenant que tout est prêt, le trou est assez gros pour pouvoir passer le béton à l'intérieur. Donc là, je pense que ça va être parfait pour faire un bon petit ballon rempli de béton. Ouais, je pense que la bonne mixture du béton est parfaite. Pas trop liquide, pas trop compact. Je vais essayer de pas en mettre à côté. Par contre, je pense que je vais être en manque de béton. Peut-être une deuxième fournée qui va se faire. On va essayer de tasser tout ça. Ouf, le ballon, mine de rien, il est déjà dur. C'est cool, je suis content. Le remplissage se passe bien. Je suis en manque de béton, donc on va en refaire. J'ai fait la deuxième fournée, mais je commence à, je crois, à devenir un professionnel. La texture est parfaite pour faire du bon petit béton. Allez, bon appétit. J'espère que j'en avoir assez. On va faire une troisième fournée quand même. Je crois que non en fait. Allez les amis, bon finalement je suis un plouc et j'en avais pas assez. Donc j'ai fait une troisième fournée. On va finir de remplir ce ballon. Oh punaise, ah oui là il est en train de se gaver là. Regardez-moi la tête qu'il a, il est complètement dégueulasse. Donc je vais m'occuper de lui faire la douche. 3, 2, 1, let's go. Hop 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 hop, on nettoie bien. Let's go, ça y est, j'ai enfin fini de remplir le ballon foot par du béton. L'air ici est évaporé. Et évidemment, à la place, j'ai mis du béton bien solide. Donc là, il est tout flagada, regardez-moi ça. Et maintenant, il va falloir que je le mette de côté et attendre, je pense, plus de 24 heures. On s'en souvient, dans le premier épisode, il s'était passé ça. Ça fait mal? Non, ça va. Non! Pourquoi il s'est transformé en chapeau? Il s'est cassé en le faisant rebondir sur mon torse! Je l'avais pas assez laissé sécher, donc il était pas assez solide! Vous inquiétez pas que là je vais les laisser 48 heures s'il faut. Je suis venu mettre le ballon dans un bol tout rond pour que lorsqu'il va durcir, ça prenne une forme ronde. Parce que si je le pose au sol, il va être complètement à plat. On a l'ouverture qui est ici, ça va permettre au ballon de s'aérer un petit peu. Et je pense qu'après je viendrai recoudre tout ça pour bien tout fermer. Donc maintenant il reste plus qu'à attendre. Donc soit 24 heures, soit 48 heures, soit 2 semaines. Ça va être long, mais c'est pour la bonne cause. C'est les amis, on est 24 heures après. Normalement, le ballon va être 100% sec. Le ballon est juste ici.
c'est de la pierre. C'est nickel, c'est exactement le résultat que je voulais. Malheureusement, on a encore l'ouverture ici. Bon, mine de rien, c'est cool parce qu'on peut voir le béton qui est quand même bien dur. Mais j'ai pensé à tout, car je vais venir le recoudre. Comme on peut le voir, lors de la découpe, j'ai bien pensé à juste retirer la couture. Même si je sais pas manier une aiguille avec un fil, je pense que ça va pas être si compliqué que ça. On va venir recoudre tout ça. Le fil il s'est cassé, c'est pas assez solide. Pourtant j'avais bien commencé. Bon, je pense que ça va prendre 4 heures. Je vais faire ça dans mon coin, on se retrouve après quand j'aurai fini. Oh punaise, après 1h30, c'est pas une vanne. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Bah oui, c'est dégueulasse. Je peux peut-être être fort dans certains domaines, mais la couture, c'est pas mon truc. Bon, j'ai quand même réussi à le fermer. Même si j'ai l'impression que c'est pas très solide, mais je pense que ça peut faire l'affaire. Juste avant de tester le ballon, on va quand même le sortir de son moule. Oh, le poids qu'il fait. J'ai récupéré une balance, le poids du ballon m'intrigue vraiment. Ok, attention, pronostic en commentaire. Ouf. Pourquoi la balance elle a bugué là? Mince, maximum 5 kg. Bah malheureusement j'ai pas d'autre balance, on sait qu'il fait plus de 5 kg. Pour le comparer avec un poids de 10 kg, franchement j'ai l'impression que lui il est plus lourd. Je pense qu'il fait au moins 11 ou 12 kg. Les amis, place au test du ballon rempli de béton. Je vais évidemment tester de faire des tirs comme si c'était un vrai ballon. Allez, première frappe, j'ai avec moi les deux ballons. On commence avec le ballon normal. Quoi? Let's go, pleine lucarne. Rien à dire, c'est un ballon normal. Et maintenant avec le ballon rempli de béton. Il a pas bougé d'un millimètre. Allez, dans la lucarne. Oh, allez, dans la lucarne. Non mais, les gens ils vont croire que je fais exprès. Avec un ballon classique, c'est tellement plus simple. Ok, allez. Oui. Ouais. Le ballon est méga lourd. Pour vous montrer la lourdeur, je me suis muni de patates et je vais venir faire tomber les deux ballons. On se demande bien lequel va l'exploser. On commence avec le ballon normal. Allez, explosez une patate dans 3, 2, 1. C'est nul, il est beaucoup trop léger. Et maintenant, avec le ballon rempli de béton, 3, 2, 1. Voilà, aucun répit. Ça a carrément fait de la purée. Et maintenant, on va voir si elle écrase une canette de soda. Je la mets en place. Bon, on va pas tester avec le ballon normal, ça sert à rien. On sait que ça l'écrasera pas. 3, 2, 1. C'est surpuissant. Ok, maintenant, avec ma main, 3, 2, 1, non. Oh, mince. Oh non, pourquoi je fais des blagues? Non, les coutures n'ont pas tenu. Ça a carrément craqué. Mais pourquoi c'est devenu du sable, le béton? Je crois que je l'avais pas laissé assez sécher. Allez, maintenant qu'on a vu la puissance du ballon rempli de béton, on va le tester du basket. On va comparer avec le ballon normal, évidemment. Allez, shoot avec un ballon classique, il devrait pas y avoir de soucis. Go. Yes. Ok, un autre en arrière. Ça serait trop beau. Oh. Ah, quand même. Et maintenant, le long shot. Ah. Oh! Ouah, ça aurait été trop beau! Ah, allez! Oh, pas 3 fois quand même! Oui! Yes! Eh bien, maintenant j'ai validé tout ça! Avec le ballon normal, vous avez compris, il va falloir que je fasse avec le ballon rempli de béton. Oh, j'avais oublié son poids, je m'étais habitué à l'autre ballon. Bon, j'ai pas rebouché, hein. Moi, on voulait pas, mais flemme de recoudre pendant 1h30. Allez, allez, shoot avec un ballon rempli de béton dans 3, 2, 1. Oh, punaise! Ça va être dur. Gah! Allez, faut que je tire plus fort! Ouah! Oh, j'arrive pas. Ouf, allez. Ah. Ouf. Bon, je me rapproche, j'arrive pas. Et là, il devrait pas y avoir de problème. Ah, le panier est en souffrance. Oh, il est tendu au max, le bazar. Du coup, la suite, c'était en arrière. Ah. Oh. J'ai mal au cœur pour le panier. Je vais y arriver. Oh. Pourquoi ça devient un sablier, le truc, là? Ah. Ah. Oui. Yes. Enfin. Et pour terminer, le long shot. Impossible. Bon les amis, on va s'arrêter là. Le ballon rempli de béton, c'est carrément devenu un ballon rempli de sable. Ne refaites pas ça à la maison, à part si vous voulez vous casser un pied. Vaut mieux acheter des ballons classiques. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. On va pouvoir se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le producteur. Ciao les poulets. Youh.